and give that one. And let's factor. Let's factor. Where the factor? Let's factor. Factorize. Why? Polynomial in factor with 4. Well, the polynomial to form the factor. Okay? Polynomial. Polynomial. C'est 15 x 3 minus 25 x 2 plus 16. Voilà. Voilà était le facteur. On va aller chercher qui chiffre qui a divisé tout. Nom ça yo en même temps et qui x n'a pas qui vous divisez tout power yo en même temps nous pas procéder à négatif. So, si nous prenons 15, 25 et 10, 15 25 10 sont leur commun facteur. Ok, comment on va faire même si on va décomposer chaque nom ça. 15 nous connaît que on va le 5 multiplié par 3 nous avons 15 minus 25, on va dire que c'est 5, toujours même 5 là, répétez, minus 5, ok? Depuis nous avons dit quoi ça veut dire multiplier, ou pas où ça veut multiplier, mais une fois par la thèse là, c'est un point sous-entendu que là multiplier. 7 fois 5, 25. Nous mettons minus 1, nous mettons minus 1. Nous mettons tête chargée, nous mettons minus 5 en parenthèse. Ok? Facteur à chercher à même. On y a alors nous prenons 10. On va dire minus 5 par 2. Vous voyez comment 5 là répéter? 5, 5, 5. Ce qu'on y a là, nous connaissons que. Nous nom ça yo, le point c'est 5, qui commun avec tout, c'est le commun facteur. C'est le commun facteur. Parce qu'il est capable de diviser tout. Vous comprenez? 15 divisé par 5 la bonne 3, 25 divisé par 5 la bonne moins 5, 10 divisé par 5 la bonne 3. Donc, il a divisé tout. Là, nous finissons. Fin chercher nous que nous premier pour ça yo. Nous allons la power qu'on y a là. The largest power that divide. Ok? Pour les noms. Et nous connaissons. Nous gagnons. Et nous voyons ça très bien. Nous gagnons. Nous gagnons 15x3. Nous retenons x3. Minus 25x2. Ok? Et puis nous gagnons 10x. X. So, ça qui est commun entre eux, c'est x là. X là répété dans tout. When x2 a pas répété dans tout, x3 a pas répété dans tout, x là répété dans tout. So, là nous gagnons x là répété dans tout. Nous connaissons. Power qui est commun, c'est x. Non, juste power x. So, ça veut dire que nous te avons nous te gagné premier. Le premier facteur a coûté 5. Et qu'on y a la deuxième, on a gagné x. Donc déjà qu'on est, nous jouons 5x. Nous ne jouons pas pour gagner ici. Hein? Nous allons permettre de factoriser. Parce que, le problème est de dire comme ça que, right, polynomial, une facture forme. Ok?
polynomial. Alors, polynôme. Vous allez mettre un factor in form. Factor in, un factor. Factor in. Une forme de facteur. C'est le premier là. Puisque le deuxième c'est là. On va le réécrire polynôme. Ok? C'était 15 x exposant 3 minus 25 x exposant 2 plus 10 x. Donc on est là, nous comptons que c'est 5 x nous qui jouons qui commet entre nous deux. Nous tout mettons en bas. Vous connaissez que tout cas divisé par 5 x là quand même. Ok? On est là, simplifier. Pas vrai? So, ouais 15. 15 divisé par 5, vous donne 3. Ça va venir tourner 3. X là, lui-même ça, l'on divisé par lui, la venir tourner x2. So, vous connaissez pour mieux, je n'ai 3x2. Ça, ok, bien moins li. 25 là, divisé par 5, lui, bon 5. Ok, c'est pas 5, 25. X là, je vais simplifier en l'air. Vous comprenez? Vous avez escalé. Ce qu'on a là, nous gagnons 5x. Et puis, plus 10 là. Vous comprenez? Nous gagnons même là. Vous gagnez x en l'air, x en bas. Vous allez voir 1. So, 1 multiplié par 10, libre 10. 1 multiplié par 5, libre 5. So, vous connaissez que 10 divisé par 5, c'est 2 liés. So, vous gagnez 3x2. Minus 5x et on pousse là plus 2. Ce qu'on y a, mais pour le minimum, on a écrit comme ça qu'on y a là. Bon, nous simplifier. Nous avons besoin de gros chiffres. Regardez comment l'écrit bien simple. On bien simple. Qu'on y a là, qu'on y a polynôme non fois le carré égal, soit égal à égal à soit égal avant, on y a pas nous ranger un autre bagaille là. Ça veut dire que mes seuls de ma wav 15x3 minus 25x2 plus 10x. So, nous allons mettre un facteur. Pas oublier que ça c'est forme simplifiée. Hein? Ça veut dire que 5x là. Ok? Nous allons mettre devant. Parce que nous allons mettre notre parenthèse parce que pour nous retrouver. Parce que faut que tu t'es égal, ouais. So, nous allons écrire comme ça. On est là, moins 5x, plus 2. Ouais, nous allons écrire comme ça parce que si on remultiplie, on a une parenthèse, on a rejoint le polynôme à l'autre de nous. Ça veut dire que nous faisons preuve. Ok? 5 fois 3 pour 15. X fois x2 bon x3. Ok? Ça c'est moins 5. 5 fois 5 bon 25. Moins 3 plus donne moins. Je trouve même ça là. Et x2 multiplié par x bon x multiplié par. C'était x. X2. C'est pas ça, on a multiplié. X fois x bon x2. N'oubliez pas ça, on a multiplié x par x par x2, 5 par 5, bon 25. Et pour mettre mon ça là, moins par plus donne moins, moins par plus, un bon plus sous-entendu là, moins par plus donne moins. Alors fini, nous venons gagner, comme on a fait retrouver 10 x là, on a fait 2 par 5 par 10, pas oublier x là, nous remettons là. C'est là, nous fini. Nous retrouvons polynomial premier petit bon moins et puis nous tout factoriser parce que là nous fait factoriser lui pas oublier pour mettre sous forme comme ça pour le bas pour être égal à polynomial que polynôme petit bon moins. Ok, ça c'est pour nous aujourd'hui factoriser.